Chers téléspectateurs, nous allons célébrer cette année le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et vous savez à quel point cet anniversaire suscite des débats passionnés. Et notre émission, passé présent, va bien sûr s'arrêter sur cette commémoration. Dans quelques semaines, nous recevrons Thierry Lenz, qui vient de publier un excellent texte intitulé « Pour Napoléon » aux éditions Perrin. Mais à la faveur de cet événement, de cet anniversaire, je me propose tout au long du printemps de vous raconter certains épisodes ou de présenter certains aspects relatifs à la période napoléonienne. Ce sera la manière de passer présent, de participer à cette commémoration. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler des relations entre Napoléon et Chateaubriand, entre l'empereur et l'écrivain. Alors Chateaubriand, il faut rapidement d'abord le présenter. François-René Chateaubriand est né en septembre 1768. Il est le benjamin de 6 enfants vivants. Il appartient à la vieille noblesse bretonne, une famille jadis assez prestigieuse, mais qui a connu un lent déclin au fil du temps et qui se trouve bien démunie quand on arrive en cette seconde moitié du XVIIIe siècle. Son père, René Auguste, est capitaine et armateur à Saint-Malo. Il a refait un petit peu de la fortune familiale en faisant notamment du commerce triangulaire avec les Antilles, donc en participant à la traite négrière, ce qui lui a permis d'acheter un vieux château médiéval, le château de Combourg, où il va installer sa famille. Le jeune François-René, lui, est élevé d'abord par sa grand-mère maternelle, à Plancoète, puis ensuite on le retrouve au collège de Dole, puis ensuite à Rennes. Il aspire alors à intégrer la marine royale, mais dès 1783, après un séjour à Brest, il renonce à ce projet et il va vivre alors pendant quelque temps à Combourg, quelques années de mélancolie, proche de sa sœur Lucille, de 4 ans son aînée. C'est pendant cette période que on va voir naître sa sensibilité romantique ou pré-romantique. Hein. On le retrouve officier d'infanterie, sous-lieutenant de 1786 à 1789, à Cambrai puis à Dieppe. Il passe ses congés chez ses sœurs qui sont désormais mariées, mesdames de Martigny et de Châteaubourg, ou à Paris chez une autre sœur, Julie de Farcy. Il connaît alors Malesherbes, le secrétaire d'État à la maison du roi, puisque son frère aîné Jean-Baptiste a épousé une des petites filles du personnage. En 1790, eh bien, il publie même un poème dans l'Almanach des Muses, car il se sent déjà une vocation d'écrivain. Mais évidemment, il est rattrapé par la Révolution. Il a déjà constaté à Rennes, en janvier 89, les désordres qui sont apparus lors de la réunion des États de Bretagne, où il représentait la noblesse. Puis ensuite, il est à Paris le 14 juillet, et il est quelque peu effrayé par l'émeute qui l'emporte ce jour-là. Et il va s'éloigner quelque temps, d'ailleurs, pour un voyage en Amérique du Nord, théoriquement pour aller découvrir le passage du Nord-Ouest au nord du Canada. Et il va ramener de ce séjour en Amérique, qu'il effectue du 20 juillet au 19 décembre, un témoignage assez controversé, il faut bien le dire, car on pense qu'il n'a pas visité tous les endroits où il prétend s'être rendu. Et puis on doute aussi de la rencontre qu'il évoque avec George Washington en personne. Mais ce voyage en Amérique sera en tout cas chez lui une puissante source d'inspiration quand il rédigera Les Natchez ou Atala. Il va rentrer donc ensuite en France. Là, il se marie avec Céleste Buisson de la Vigne. Mais peu de temps après, en juillet 92, le 15 juillet 92, juste avant la chute de la monarchie, eh bien avec son frère aîné Jean-Baptiste, il part pour Bruxelles.
Bruxelles pour rejoindre l'armée des princes à Trèves, pour rejoindre l'émigration. Il est blessé, obtient un congé en octobre, se rend à Ostende, puis gagne Jersey, où il est accueilli par l'un de ses oncles. Après 4 mois passés dans l'île anglo-normande, il va gagner l'Angleterre, il est à Londres en mai 93, et il va y commencer un séjour qui va durer 7 ans, séjour très difficile, sur fond de privation et de misère. Il vit très chichement de cours, de traduction. Ensuite, il est professeur de français dans le Suffolk. Et pendant ce temps-là, en France, sa mère, sa femme et ses sœurs se retrouvent en prison. Son frère aîné, sa belle-sœur et Malesherbes sont guillotinés durant la terreur. Rentré à Londres, à l'été 1795, il publie l'année suivante l'essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes. Un essai qui rencontre un certain écho, qui fait qu'il se retrouve en contact avec certaines personnalités, comme Montlosier, un ancien député à la Constituante, qui va le prendre sous sa protection. Quand, en juillet 1798, sa mère meurt à Saint-Servan, c'est l'occasion pour lui d'un retour à la religion. C'est la fameuse formule « j'ai pleuré et donc j'ai cru ». C'est le point de départ, selon lui, qui va le conduire jusqu'à la rédaction du Génie du christianisme. En même temps, c'est quelque chose qui reste discuté. On le soupçonne aussi d'avoir écrit le Génie du christianisme en un temps, effectivement, où au sortir de la Révolution, il y avait en quelque sorte une demande, un public pour un sujet de ce genre. Entre-temps, le consulat s'est installé en France. Napoléon veut réconcilier les Frances qui se sont opposées avec la Révolution et il peut ainsi rentrer à Calais en avril 1800. Au départ avec une identité suisse et un passeport prussien. Là, il va être poussé par Fontane, qui est proche du Premier Consul. Il est introduit au Mercure de France. Il entretient une liaison avec Madame de Beaumont, la fille de Montmorin, un ancien ministre de Louis XVI. Et puis, en avril 1801, eh bien, il publie Atala, Amour de deux sauvages dans le désert. C'est un succès complet. Au moment où, en 1802, le concordat avec l'Église est proclamé officiellement, eh bien, il fait paraître le Génie du christianisme, qui est un énorme succès, qui est régulièrement réédité au cours des mois suivants. Entre-temps, il a été radié de la liste des émigrés. Il est au contact avec Elisa Bonaparte et son mari Bacchiocchi, il est au contact avec Lucien Bonaparte, il va même rencontrer Napoléon lors d'une réception chez Lucien, et il espère ainsi obtenir un poste dans la diplomatie. Effectivement, il est nommé secrétaire de légation à Rome. En tant qu'auteur du Génie du christianisme, il s'imagine déjà être le représentant du catholicisme français auprès du pape, mais il se brouille avec le cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon, qui est le chef de la légation française à Rome. Alors finalement, il se retrouve en novembre 1803 nommé ministre de France dans la République du Valais, un poste quelque peu secondaire, qui ne correspond pas vraiment à ses ambitions. Et en mars 1804, le 21 mars, après que le duc d'Enghien est fusillé à Vincennes, eh bien, il va, en termes prudents d'ailleurs, annoncer sa démission au Premier Consul. À partir de là, il va voyager, se met à la rédaction des Martyrs, un grand roman évoquant les débuts du christianisme. Il s'abandonne à une passion amoureuse pour Nathalie de Noailles. Et puis en 1806, il commence un grand périple méditerranéen qui doit le conduire à Jérusalem avec retour par l'Égypte et l'Espagne. Il rejoindra d'ailleurs à Grenade Nathalie de Noailles. Il revient donc en juin 1807 et là, à travers dans un article du Mercure de France, à travers une critique de l'Empire ottoman, eh bien, il marque son opposition au régime impérial. Lorsque, dans le silence de l'abjection, l'on n'entend plus retentir que la
chaîne de l'esclave et la voix des délateurs, lorsque tout tremble devant le tyran, et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples, c'est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l'Empire. Tout un programme donc pour un Chateaubriand qui se pose en quelque sorte en juge de Napoléon et qui s'identifie en quelque sorte au Tacite qui raconte le règne de Néron quelques décennies après la disparition de ce dernier. Alors Napoléon évidemment entre dans une grande colère, le Mercure dans lequel Chateaubriand avait pris des intérêts, des parts, fusionne avec la revue philosophique, Chateaubriand acquiert alors le domaine de la Vallée aux Loups à Châtenay-Malabry, car il se trouve de fait interdit de séjour à Paris. Une interdiction pas vraiment appliquée puisqu'il vient dans la capitale pendant l'hiver et se retire à la Vallée aux Loups pendant l'été. À l'occasion de tout cela, il achève la rédaction des Martyrs, ainsi qui paraît en 1809, ainsi que la rédaction de l'itinéraire de Paris à Jérusalem, publié en 1811. Il ajoute à cela les aventures du dernier Abencérage, un texte qui lui a été inspiré par son séjour à Grenade, et surtout il commence la rédaction de ce qui va devenir les Mémoires d'Outre-Tombe. En 1809, l'affaire de son cousin Armand de Chateaubriand durcit encore ses relations avec Napoléon. En effet, son cousin, agent royaliste, a été arrêté sur une place du Cotentin, avec sur lui des documents très compromettants, visant à organiser une conspiration contre l'empereur, et il est fusillé le vendredi saint de 1809 dans la plaine de Grenelle. Ce que Chateaubriand vit évidemment très difficilement. Cela dit, l'empereur souhaite quand même quelque part le récupérer, si l'on peut dire, et encourager notamment sa candidature à l'Académie française. Pourquoi ? Eh bien, nous sommes à un moment où le pape est emprisonné à Savone, nous sommes à un moment où Napoléon va se marier avec Marie-Louise d'Autriche. Donc il s'agit de rallier les derniers opposants royalistes, et comme Chateaubriand est une figure de cette mouvance, eh bien c'est un calcul politique qui pousse les autorités à l'encourager à présenter sa candidature à l'Académie française. Il est élu le 20 février 1811, mais son discours de réception se présente comme un éloge de la liberté et hostile à son prédécesseur, le régicide Marie-Joseph Chénier. Du coup, il n'est pas autorisé, il a sans surveille bien sûr, il doit présenter son discours avant de le prononcer, ben, il n'est pas autorisé justement à le prononcer. Il ne siégera pas à l'Académie, mais touchera quand même la pension qui correspondait. En fait, il va bénéficier de la rivalité entre le bureau de presse du ministère de la police et la direction de l'imprimerie et de la librairie qui successivement vont le dénigrer ou au contraire prendre sa défense. En tout cas, il est contraint à une certaine réserve au cours des dernières années de l'Empire. En 1814, on le sait, Napoléon est vaincu, il va être exilé à l'île d'Elbe, et dès le 4 avril 1814, quelques jours après l'entrée des Alliés dans Paris, Chateaubriand publie un pamphlet de Bonaparte et des Bourbons, un pamphlet qui va être, comme l'a montré Jean Tullard, pour une bonne part à l'origine de la légende noire qui accompagnera la mémoire de Napoléon. Un pamphlet au terme extrêmement violent, je vous en lis un passage. Tu ne dévoreras plus nos enfants. Nous ne voulons plus de ta conscription, de ta police, de ta censure, de tes fusillades nocturnes, de ta tyrannie. Ce n'est pas seulement nous, c'est le genre humain qui t'accuse et nous demande vengeance au nom de la religion, de la morale et de la liberté. Où n'as-tu pas répandu la désolation? Dans quel coin du monde une famille obscure n'a-t-elle échappé à tes ravages? L'Espagnol dans ses montagnes, l'Illyrien dans ses vallées, l'Italien sous son beau soleil, l'Allemand, le Russe, le Prussien dans leurs villes en cendres.
te demandent leur fils que tu as égorgé, la tente, la cabane, le château, le temple où tu as porté la flamme. La voix du monde te déclare le plus grand coupable qui ait jamais paru sur la terre, car ce n'est pas sur des peuples barbares et sur des nations dégénérées que tu as versé tant de maux. C'est au milieu de la civilisation, dans un siècle de lumière, que tu as voulu régner par le glaive d'Attila et les maximes de Néron. » Alors on le voit, un pamphlet extrêmement violent qui correspond à la première restauration. Donc nous sommes au printemps de 1814. Nous verrons tout à l'heure que avec le temps, Chateaubriand a quelque peu modéré sa condamnation de l'empereur. Alors ensuite, quand Napoléon revient pour les 100 jours en 1815, Chateaubriand accompagne Louis XVIII réfugié à Gand, en Flandre, et évidemment, sous la seconde restauration, il va engager une carrière politique, il va se retrouver ministre d'État, pair de France, on le verra ambassadeur à Berlin, à Londres, à Rome, sans qu'il occupe d'ailleurs forcément toujours les fonctions dans la réalité. Ministre des Affaires étrangères pendant un an et demi, c'est lui au Congrès de Vérone qui négociera l'intervention française en Espagne de 1823. Et puis, il est une des figures de la mouvance ultra, il est le porte-parole des ultras contre le libéral de 15. Et ensuite, d'ailleurs, il va rallier l'opposition libérale contre Villèle, qui pourtant correspondait à la victoire du camp ultra après la mort du duc de Berry en 1820. Sous la monarchie de Juillet, après 1830, il démissionne de la Chambre des Pairs, il se proclame légitimiste. « Votre fils est mon roi », va-t-il dire à la duchesse de Berry à propos du comte de Chambord et duc de Bordeaux. Hein. Il fait partie donc du camp des Henri Quinquistes, ceux qui reconnaissent Henri V comme le roi de France légitime. Et mais surtout, à partir de ce moment, il se consacre à la rédaction de ses mémoires, également à la vie de Rancé, qui est publié en 1843. Il meurt le 4 juillet 1848, quelques mois à peine après le début d'une nouvelle révolution et la proclamation de la Seconde République. Un échec politique donc, mais évidemment une place majeure dans l'histoire littéraire. Il est une des icônes évidemment du courant romantique. En même temps, c'est un juge de son temps au regard particulièrement acéré, mais il est intéressant pour terminer d'expliquer comment dans ses mémoires d'outre-tombe il présente Napoléon. Et on verra un changement de ton assez net par rapport à ce qu'il écrivait dans son pamphlet de Bonaparte et des Bourbons. Bonaparte n'est point grand par ses paroles, ses discours, ses écrits, par l'amour des libertés qu'il n'a jamais eu et n'a jamais entendu et prétendu établir. Il est grand pour avoir créé un gouvernement régulier et puissant, un code de loi adopté en divers pays, des cours de justice, des écoles, une administration forte, active, intelligente et sur laquelle nous vivons encore. Il est grand pour avoir ressuscité, éclairé et géré supérieurement l'Italie. Il est grand pour avoir fait renaître en France l'ordre au sein du chaos, pour avoir relevé les autels, pour avoir réduit de furieux démagogues, d'orgueilleux savants, des littérateurs anarchiques, des athées voltairiens, des orateurs de carrefour, des égorgeurs de prisons et de rues, des claquedans de tribunes, de clubs, d'échafauds, pour les avoir réduits à servir sous lui. Il est grand pour avoir enchaîné une tourbe anarchique. Il est grand pour avoir fait cesser les familiarités d'une commune fortune, pour avoir forcé des soldats, ses égaux, des capitaines, ses chefs ou ses rivaux à fléchir sous sa volonté. Il est grand, surtout, pour être né de lui seul, pour avoir su, sans autre autorité que celle de son génie, dans une époque où aucune illusion n'environne les trônes. Il est grand pour avoir abattu tous les rois, ses opposants, pour avoir défait toutes les armées, quelle qu'ait été la différence de leur discipline et de leur valeur, pour avoir appris son nom au peuple sauvage comme au peuple civilisé, pour avoir surpris
passer tous les vainqueurs qui le précédèrent, pour avoir rempli 10 années de tels prodiges qu'on a peine aujourd'hui à les comprendre. Le fameux délinquant en matière triomphale n'est plus. Le peu d'hommes qui comprennent encore les sentiments nobles peuvent rendre hommage à la gloire sans la craindre, mais sans se repentir d'avoir proclamé ce que cette gloire eut de funeste, sans reconnaître le destructeur des indépendances pour le père des émancipations. Napoléon n'a nul besoin qu'on lui prête des mérites, il fut assez doué en naissant. Or donc que, détaché de son temps, son histoire est finie et que son épopée commence, allons le voir mourir. Quittons l'Europe, suivons-le sous le ciel de son apothéose. Le frémissement des mers, là où les vaisseaux caleront la voile, nous indiquera le lieu de sa disparition. À l'extrémité de notre hémisphère, on entend, dit Tacite, le bruit que fait le soleil en s'immergeant.